Alors, c'est une promenade dans un quartier du Caire qui s'appelle Garden City, qui a 100 ans. Et à travers cette promenade et les rencontres qu'on fait dans le quartier, on découvre l'histoire contemporaine de l'Égypte et aussi des enjeux de sécurité qui nous regardent tous dans le monde. Il fait peut-être 1,5 km par 0,5 km. C'est tout petit comme quartier, plus petit que n'importe quel quartier de Montréal, c'est minuscule, qui raconte tellement de choses. Et pas seulement des choses d'un endroit, ça ouvre, ça parle. Puis c'est fantastique parce que dans ce quartier, il y a des maisons où des films ont été tournés, puis là on a ces films, puis on a les histoires d'aujourd'hui. Puis c'est sûr que c'est riche. Il y avait des Coptes, il y avait des Juifs, il y avait tout. Voilà, je suis moi. لو بصيتي على اليمين حتلاقي سفارة أمريكية ولو بصيتي قوي 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 حضربوكي بالنار. D'habitude, je fais des films avec des personnages. Là, mon personnage, c'est un quartier. Qu'est-ce qu'un personnage, un quartier? Je n'ai jamais eu ce rapport-là à mon travail. D'habitude, mes films étaient portés par des personnes. Mais en même temps, je suis contente parce que ça a été... quand j'ai pensé à ce film-là, l'idée, c'était ça. C'était de se promener, que les maisons racontent. Que l'histoire se raconte à travers l'architecture et à travers les maisons et la forme, et de dire bon, on va se promener. C'est une promenade, c'est un exercice. Hein. À un moment donné, c'est dit comment tu fais tenir un moment, puis après ça un autre. L'émotion peut tomber. Moi, je ne savais pas quand on a fini. Le premier assemblage, qui était bon, serré. Ça marche. Mais je ne savais pas jusque-là si ça marcherait ou pas. Il y avait beaucoup de travail à faire après pour réduire, pour resserrer et tout. Mais là, ça marche. Et donc, ça a été un exercice au niveau de l'écriture, ce film-là très particulier. Et puis, moi, je crois que chaque film a sa propre écriture et qu'il faut la trouver. Ça fait partie du travail de préparation qu'on a à faire. Ça ne s'impose pas. C'est sûr qu'en documentaire, les films se font au montage. Mais il faut avoir un minimum de comment je vais raconter l'histoire. À chaque film, c'est toujours la même question. Comment je vais raconter cette histoire? Et c'est une histoire. En documentaire, comme en fiction, on raconte à quelqu'un une histoire. Et raconter une histoire, c'est... moi, je suis bon spectateur. J'aime me faire raconter des histoires. J'aime aller au cinéma, manger du pop-corn et me faire raconter une histoire, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment une démocratie qui s'appelait le roi, qui refusait les demandes du roi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Abdel Nasser, mais le système de l'istibdadi est continuel. Et le Abdel Nasser, tout le monde. خروج الانجليز كان مساله سياسيه يعني ولان الامريكان كانوا جايين يعني لا اؤمن بالحكم العسكري مهما جه من امجاد منه وهذا دي مصر هي دي بلدنا اللي خاف فيها ما يعيش والغلبان برضه ما يعيش الناس كلها تدوس عليه